on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the... Yo, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de The Last of Us 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Bah, on n'était pas prêt. la mort de Joël, franchement, je l'ai pas vu venir du tout. Enfin, ok, il s'est fait attraper, il s'est fait défoncer un genou, mais je me suis dit, bah, je pensais pas qu'ils allaient le tuer quand même, quoi. Mais apparemment, si. Donc, bah voilà. Forcément, du coup, Tommy, son frère, qui était encore vivant, bah, a décidé de se venger. Et Ellie, qui veut faire tout pareil, quoi. Logique. Donc, bah, c'est parti. Donc là, on est en route pour Seattle. On y est, d'ailleurs. Et objectif, c'est de passer ce portail en espérant... Je crois que ça saute, là. Ça saute. On va tenter. Ellie, je vais bien. J'ai juste failli crever. C'est juste, hein. Ils sont où ces enfoirés? Je sais pas, mais déjà qu'il y ait personne qui surveille l'entrée comme ça, c'est bizarre quand même. Ah, tu peux monter? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah oui, il y a quelque chose! Voilà, c'est ça qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est Zelda. Ah bon, Zelda. Quand ton unité aura pris la porte, ouvre-la et contacte l'unité de John. Les transports pour les réfugiés sont prêts. Je ne veux aucun survivant de la Fedra. Dès qu'on aura le contrôle de la zone, aux réfugiés de s'accueillir en échange de gravité vers les WLF. Ok. Que ta vie soit longue, Isaac. WLF. Donc ça, c'est le groupe... C'est le groupe qui ont tué Joël, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu... Oh, relève-toi. Alors. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. Très bien. Eh ben moi je vais forcer le passage. Du papier. Ok, je me demande de quand ça date. C'est des codes. Pour la vente, pas que c'est pour les avoir récupéré toutes les dernières dernières, ça sera récupéré dans l'essence au parking. La base, c'est Ravenna. Ok, intéressant. Porte principale 0512. Au pire, on regardera. Ok. En fait, j'aurais pu faire le tour. Voilà le générateur. Voilà, le générateur, c'est ça. Ok. Ah, fais chier. Ok. Mais voilà. Bonsoir. Est-ce que vous voulez un Big Mac? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi.
Merci. Bon, hein, t'es toute seule, hein. Enfin, après, oui. Voilà pour juger, hein. Ça fait un putain de bruit, générateur. Y'a rien. Ah, voilà. Donc on peut pas l'ouvrir comme ça. C'est fermé, forcément. C'est quoi ça? Non, ça passera pas là, non, j'ai le câble jusqu'ici. Pas sûr que ça passe. Ouais, c'est logique. Ici, je le lance. Ah oui. Putain, mais quel game sense, Call of Shadow, quoi, c'est incroyable. Mot de passe. C'est 0, 5, 12. Yes. Trop de talent, trop de talent. Merde. Putain. Allez, viens. On s'en va. On a assez traîné dans le coin. Avec le bruit qu'on vient de faire là. Comment te dire que. On va un peu donner notre position. J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. On va la chercher. Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Ah, il y a un feu rouge. On y va. Je regarde si on peut quand même fouiller des certains endroits. A priori, non. Regarde. Eh ben voilà, c'est Révénal. Ça doit être là. Ok. Faut trouver le moyen de franchir le portail fuck Fedra. Eh ben ça non. Ok, c'est parti. Ah. Budget. Ah, plus d'essence. Putain de merde. Ok, faut mettre de l'essence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh merde. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Ah, pourriti. Comment on fait pour y aller? Vous avez monté tout le monde contre Tommy vous. Tommy est venu ici? J'en suis sûr. Le dôme, c'est par où? Elle veut qu'on bouge? Ok. Par là alors. Ça aurait été trop facile hein, qu'on puisse aller sans le Cerevena. Bon. Où est-ce qu'on est? Le dôme à droite là, non? Je crois
qu'on est ici. Ah, ah bon. Cool. Je vais ajouter des notes. Est-ce que ça a un sens au moins ce truc là? Non. Ok. Pour moi, le dôme c'est là-bas. C'est quoi ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les. Les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mesure. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Faut rentrer dedans. Fuel district. Parfait. Distribution de carburant. Allez, c'est parti. On peut dire que la Fedra a bien barricadé cet endroit. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. Ça. Je regarde un peu ce qu'il y a aux alentours. Ok. Tu peux passer? C'est bon, vas-y. Merde, désinfecté. Cache-toi. Il y en a combien? Un... Deux, ok. Copé dans les lèvres, c'est un peu difficile à repérer. M'a vu? Non, j'ai failli. Oh bien. Malade celle-là. Je crois que c'est bon. On dirait bien. Pas choper du... Non. Ah, il parle, ok. Oh non, il y a un claqueur. Merde. Allonge-toi là. Ok, toi, discrétion zéro, hein. Ok, toujours plus. Tu vas te faire repérer, il va venir jusque là. Je vais mettre allongé ici. Il reste pas là, toi. Il va foirer mon plan. Je voulais l'assommer en venant par là. Mais va la trouver. Non, sérieux. Merde.
En gros, Dina, elle a le pouvoir d'invisibilité, quoi. Non, mais très bien, moi, c'est bien, on le sait, quoi. Pas de problème. Faut qu'on monte là. On va éviter de se taper contre eux, hein, si on peut éviter le combat. Va voir là-bas si j'y suis. Par là-bas, là. Ouais, voilà. T'as tout compris. Qu'ils ont fait, vous avez repéré. A priori, non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des conneries à l'intérieur? Non. C'est quoi cet endroit? Salle d'homme? Safe. Le curie doit être là-bas, j'imagine. Ellie, c'est une synagogue. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Cet endroit me rappelle des souvenirs. J'imagine que c'est... Eh oui. Où est de l'autre côté? Logique, hein. J'ai trouvé de l'essence. Il n'y a plus qu'à y accéder. Par là. Ok. Je suis pas contre. Bonsoir. Si je peux débloquer ou pas? Allez. Oh, et merde. Ah, espérons qu'il y en a à l'intérieur. Sois poli. C'est un lieu de culte. C'est vide. Ça craint. On fait quoi? Dans le parking? Essayons le parking du tribunal. Bah ouais, le choix. Putain, son sac, il est magique, hein. Le sac à Mary Poppins, quoi. T'étais en train de parler de quoi? Ouais, donc... Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Ah bon? Comment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. Ok. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. On peut pas hein, aller par là. Non plus. Non plus, super. Et on peut pas... Oh bah si, ah si. Hop. Je suis monté sur ça. Et oui. Et voilà le travail. Par là. Vas-y, je te suis. Alors, qu'est-ce que ça raconte?
première classe Myler, selon nos sources, la base active à l'angle de Spring. Ah, de la cinquième assemblée sur les soins de secteur rendez-vous sur le suspect sécurisé, le sergent Ward. Vas-y, ramasse tout ça Qu'est-ce que là. tu dis de ça? Deux. Tu veux faire Tarzan? Pas tout de suite, laisse-moi fouiller d'abord. J'ai pas les trucs intéressants. C'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Ouais, Celle tu qu'on cultives avait un volée peu, hein, s'est Ellie, hein. fait à moitié brûler. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Y a rien, c'est tout. On va faire du Tarzan, hein. Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Moi, je parie tout pareil. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. Un coup en arrière. Un coup en avant. Et on saute. Hop là. Pas de problème. Allez, Dina. Ok. Alors, dis-moi qu'il y a un truc intéressant. Bon, je pense pas que ça va être ici, de toute façon, je vais trouver des balles, hein, mais. Enfin, normalement. Médicaments. Même papier. Repère quitter le mail, ça fait poche parce qu'on garde mon diable. Oui, bon, allez, allez. J'espère que vous êtes sains et saufs. Moi aussi, j'espère. C'est le moment, allez là. Il y a écrit quoi là ici? 5774? 5774. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Super, maintenant j'en ai envie. Moi j'ai pas envie de parler avec toi. Ça devait être bon. Ok, le dôme, c'est fait. Passons au tribunal. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Ouais, j'avais vu cette échelle-là tout à l'heure. Alors justement, on va voir s'il y a quelque chose. C'est quoi ça? Génial. Des mines? C'est une grenade incapacitante pour étourdir plusieurs ennemis puis achever avec des attaques éclair. Ok! Bon, ça on prend, hein. Là, qu'est-ce qu'il y a? Parfait, ça. Vous pouvez avoir une arme par étui. Les armes supplémentaires sont rangées dans votre sac à dos. Sectionnez pistolet. Et changer d'arme. Ah, ok. Je dois le maintenir. Sectionnez revolver. Un revolver, ça fait beaucoup plus mal normalement. Beaucoup de balles. On va utiliser le revolver, vas-y. Paillette, viens voir. Voilà, maman. On continue à fouiller. Au moins ici, on a un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? De plus en plus parano. Elle se réveillait parfois en pleine nuit en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêtes à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. Ah. Ah. C'était l'horreur. On ne peut dire rien ici.
Ok. Alors attends, vas-y, on va regarder la carte. Zoomer, ça on l'a fait. À gauche, pas d'essence, ok. Donc nous, faut qu'on aille là. Ah, il y a un resto par là-bas, ok. Bon, on va partir par le resto. Yallah. C'est bien d'avoir un vrai chez soi, non? Ouais. Quand je suis arrivée pour la première fois à Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. Hé, hey, magasin de musique Valiant. Il y a peut-être du matos. On voit ça, là? Quoi? Magasin de musique? Ah, là! J'étais impressionnée par Bah, faut monter par là, non? J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Ouais, je t'ai vu. C'est pas vrai. Si, si, je te jure. Je me sperge qui nous volait toute notre viande. Je te sperge. J'ai pas volé tant de viande que ça. Bon, mais y a pas mal de matos là. Ah, on prend, dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. Ah, un truc pour améliorer. Attends, on va essayer de prendre les derniers trucs. Histoire de voir, c'est quoi ça? Je veux dire que la banque d'Amazon n'a jamais été fouillée. C'est vrai, elle doit être remplie de matériel d'avant des pieds. Il y aurait du matos dans une banque. Oh, il y a, si on trouve assez d'armes, je pourrais aller jouer pour se tirer sur le soir. Alors, j'ai pas les couilles à aller tout seul. Bien sûr, la banque, on va y aller. C'est quoi ça? Oh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Attends, on va améliorer notre équipement. Alors. J'ai amélioré celui-là. Ça peut toujours pas. Stabilité. J'utilise pas assez le fusil. Dégâts importants, 15 de tir, réduite. Moyenne portée, à courte portée, dégâts modérés, rechargement lent. Rechargement. Pourquoi pas. Amélioration, vas-y, on va voir ce que ça vaut. Ce rechargement pour augmenter la cadence de tir. Plus 35%, donc moins de recul, plus de stabilité. 30, 50 et 50. Utiliser un chargeur rapide pour charger toutes les balles en même temps. Ça, c'est pratique quand même. Hein. Au pire, pour charger, c'est pas grave. On va augmenter juste au moins la cadence de tir. Ok, let's go. C'est un dessin d'un mec. La vache. Pas mal le dessin. Ah, rien. Il y a du monde ou pas? Ok. Bah écoutez, on va fouiller tout ça dans le... The Sleek Habit. Dans le prochain épisode. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une très bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez. Juste parce que je te trouvais jolie. Au revoir.